Yahoo, petit Pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire pour le mois de janvier. Donc, si la suite t'intéresse, continue. En ce qui concerne, c'est quoi qui est derrière? Ah, c'est les marque-pages Akata, ok. Donc, en ce qui concerne ma pile à lire ici pour la première étagère où c'est les mangas que j'ai en retard, j'ai juste décidé de les ranger ici. Avec deux titres que je sais très bien que je lirai du coup pour janvier. Et après, j'ai rangé tout ce qui était shoujo terminé. Et de toute façon, j'ai presque que des shoujo à lire. Terminé et par ordre de numéro. Donc, 7 tomes pour Love Verity, 8 tomes et 8 tomes pour Blue Into You, plus tant qu'il est encore temps. 11 pour Fausse Petite Amie, 11 ou 12, je sais plus, pour Real Girl. Et après, on passe sur les séries qui sont du coup terminées. Ils sont sur le point de se terminer. Et je les ai rangées plus par ordre de sortie. Donc, Perfect World de Akata, qu'on ne voit pas du tout parce qu'ils sont plus petits. Voilà. On a juste notre Mariette, Golden Chip. Ça reste entre nous. On a donc Yona, la princesse de l'aube. Après, on a Irrésistible et Fuka. Voilà. En gros, plus le Yaoi que j'ai en retard. Donc pour janvier, je vais avoir Soupignou. Alors depuis, j'ai reçu mon tome 2, c'est juste que je ne l'ai pas encore remis là. Mais voilà. Ensuite, donc comme je te l'ai expliqué, Transparente, ça aussi. Oui, je sais, je suis en retard au niveau de mes vidéos parce que j'ai aussi tome 4. Mais je n'ai pas encore rangé, en fait. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon, ça fait déjà une semaine. Parce que Soupignou, vu que c'est 3 tomes, mais en fait j'en lis que 2 parce que le tome 1 j'ai déjà lu. Transparente c'est en 4, mais le 1 j'ai déjà lu, donc ça, lui il faut que je le relise, mais ça ira plus vite. Donc voilà. Et ensuite, sur ce que je vais lire, c'est que je vais lire prochainement en premier, je pense, ceci. Parce que c'est une romance et j'aimerais bien présenter le tome 1. Sachant que, comment dire, et ben en fait je suis en train de faire une vidéo par semaine du Lézard Noir et donc ça tomberait la première semaine de février, et sachant que donc en février je vais présenter que des romances au tout début du mois, je me dis ça serait cool que je puisse te présenter encore une semaine. Il y aurait au total 5 semaines sur du manga Le Lézard Noir. Après on verra si je continue ou pas, et déjà je continuerai pas ce rythme, ça c'est sûr, parce que j'en ai pas d'autres après d'avance. Voilà. Ensuite on a déjà Soupignou et Transparente, c'est pour janvier pardon, et ça c'est pour février. Après déjà j'ai envie de regarder déjà mon agenda, ça pourrait être pas mal. Alors pour janvier, je ne vais pas piocher dans mon fameux bocal parce que je préfère d'abord m'avancer sur mon retard et après on verra quand je pioche ou pas, ça sera sûrement en février mais pas janvier, ça c'est sûr. Donc ça serait la semaine du 4 au 10. Après 1, 2, 3. Je vais laisser une semaine parce que je ne sais pas du tout pour les séries qui se terminent. Je n'ai pas pensé à regarder du tout, du tout, du tout. Ça fait 3 mois que je n'y regarde pas, ça, honnêtement. Et je vais taper dans Bloom Into You. Je prendrai l'intégralité parce que tout simplement, ça me permettrait de te présenter un Yuri. Et pour justement février et le Love Manga Challenge, ça peut être cool quand même que je te présente. Un Yuri. Alors pour ceux qui se poseraient la question, le Love Manga Challenge en gros c'est juste présenter, pour moi c'est présenter de la romance, peu importe le genre, de la romance du 1er au 14 février, et que mes vidéos soient sur le thème de la romance, c'est à dire par exemple une vidéo tag ou challenge manga, mais ça sera forcément de la romance, etc, etc. Après sur les réseaux sociaux pareil, je vais essayer de poster sur Instagram, je vais essayer, touche du bois, de te présenter un titre par jour pendant 14 jours. YouTube, ça sera plus ou moins ça parce qu'il y aura aussi des challenges ou des trucs comme ça qui seront en rapport avec la romance. Et si tu veux y participer, ce sera le Love Manga Challenge. Et ça sera juste poster vos avis sur des romances. Voilà. Si jamais, et puis il y aura forcément un week-end à mille et autres.
Donc voilà, c'est tout ce que je vais prendre pour l'instant parce que je préfère te refaire une deuxième vidéo plutôt que. Mais de toute façon, sinon, si je dois prendre une autre série, la série suivante, ce sera celle-ci. Voilà, tant qu'il y a encore temps, je t'aimerai. Et si jamais, au grand jamais, j'ai de l'avance ou quoi que ce soit, ben j'essaierai parce que je crois que Perfect World, ça se termine plus ou moins début février, où il y a juste Not Married, je sais pas trop comment ça se termine. Ça reste entre nous, c'est en février aussi, donc tu vois, ça, je suis un peu coincée. Mais sinon, si au grand jamais, j'arrive pas ou quoi. Non, c'est pas ça que je veux lire, c'est plutôt les trois premiers tomes de Takane et Anna. Et te faire du coup une vidéo. Oui, je suis sur un pied, c'est pour ça que je tangue. J'aimerais te faire au moins une vidéo crash test sur Takane et Anna, sur les trois premiers tomes, vu qu'ils sont disponibles en numérique gratuitement. Enfin, je les ai eus en format numérique gratuitement via Kazé. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je te remets bien comme il faut que tu puisses bien aller voir les mangas que j'ai sélectionnés pour ce début du mois de janvier. Sachant que je me suis laissé une semaine du coup de rab avec les séries qui se terminent, une à deux. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et pourquoi pas partager la vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire quels sont toi les mangas que tu envisages de lire pour le mois de janvier. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye, à bientôt. Pense à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si jamais ce n'est toujours pas fait. Bye.